Dans cette vidéo, je vais vous montrer le top 10 des meilleurs jeux Sonic sur mobile. Avant de commencer, comme d'habitude, je mets en avant tous les amis qui postent des commentaires sympas sous les vidéos. Vous êtes trop géniaux. Alors, Road, tout 15 000 abonnés. Ça me ferait trop rêver, les amis, ça me ferait trop rêver. Je compte sur vous pour partager au maximum la vidéo sur Sonic sur Facebook, Insta, les réseaux sociaux. Alors, je précise bien que ce sont les meilleurs jeux Sonic sur mobile. Car il y a 20 ans de cela, on avait le droit à des jeux complètement éclatés. Que ce soit sur Nokia, vous savez, les premiers mobiles, quoi. Comme par exemple, Sonic Billard, Sonic Fishing, Sonic Golf, Sonic Tennis et même Sonic Casino Poker. Les mecs, ils ont tout inventé. Bref, les jeux, ils avaient l'air pas trop mal pour l'époque. Mais parce que c'est Sonic, on mettait juste son image dans le jeu. Et en fait, c'était un jeu banal quand on jouait. Donc vraiment, c'était une surexploitation de la licence de Sonic. Allez, maintenant, place au vrai jeu. À la 10e position, c'est Sonic Racing. C'est un jeu de course comme Mario Kart. Mais en fait, le problème, c'est que c'est que sur iPhone. Le jeu n'existe pas du tout sur Android. C'est n'importe quoi. Alors, demandez à Sega de nous mettre Sonic Racing sur mobile, Android et pas que sur iOS. On peut jouer en solo et en ligne. Il y a 15 circuits disponibles et 5 zones différentes à concourir. Non, mais dégoûté, quoi. Il est que sur iPhone. Non, mais allô, quoi. T'es un jeu mobile, t'es ce que sur iPhone? C'est pas normal, ça. Allez, on va te rattraper. À la 9e position, il est sur Android cette fois-ci. C'est Sonic 1 classique. C'est le tout premier Sonic sorti sur Mega Drive. Alors là, que de bons souvenirs avec ce jeu de rétro gaming. Moi, la première fois que j'ai joué à Sonic, eh bien, j'allais au magasin du printemps, situé aux Nouvelles Galeries. Il y avait des Mega Drive en démo, et le jeu Sonic était dessus. À l'époque, c'était encore la guerre des consoles Nintendo contre Sega. J'avais trop aimé jouer à Sonic dans les magasins. Mais perso, j'ai acheté la Super Nintendo avec Street Fighter 2. Donc sans aucun regret, parce que Street Fighter 2, c'est quand même la base, la souche du jeu vidéo. Donc du coup, je rattrape les années passées avec cette adaptation de Sonic 1 sur mobile. Vous allez voir dans le top, quasiment tous les jeux sont gratuits car moyennant le visionnage de pub, Sega propose tous les jeux classiques en téléchargement gratuit. La manette, elle est compatible. Donc si vous avez une manette mobile ou un câble USB sur nos manettes PlayStation par exemple, vous pouvez y jouer sans vergogne. En 8e position, c'est Sonic Jump Pro. Alors là, c'est carrément un Doodle Jump avec Sonic. J'ai pas compris pourquoi Sega l'a mis en payant, alors que le jeu il est vraiment pourri, quoi, un petit peu, graphiquement en tout cas. Il coûte à peu près 3€ environ. Je le mets dans les derniers, dans le classement, car vraiment, j'ai voulu regrouper tous les jeux mobiles de Sonic actuels. Donc il fallait que j'en parle pour que le top soit vraiment complet, mais vraiment celui-là c'est pas mon préféré. Disons qu'il est bien pour passer le temps dans les transports en commun, donc faut juste sauter de plateforme en plateforme, tout en haut, pour aller le plus haut possible. Mais au moins, toutes les références à Sonic sont bien respectées dans le jeu. L'univers Sonic est partout, que ce soit au niveau des graphismes, des personnages, donc ça peut plaire aux gros fans de la licence. En 7e position, on change de registre avec Sonic Dash. C'est un jeu de course, ou plus précisément, un runner. Alors, on va faire simple. Sonic Dash, il a 100 millions de téléchargements dans le monde. Il a même une suite. Donc forcément, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, quand on va monter dans le top. Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous donner les secrets de ce jeu de runner cartonne partout dans le monde. En 6e place, c'est Sonic 2 Classic. C'est une adaptation du jeu Sonic 2 sorti en novembre 1992. Mais bien sûr, avec la remasterisation totale des graphismes et du son. Pour les puristes, je rappelle que Sonic 2 est le premier jeu Sonic à proposer la course tourbillon. Sur la Master System, on pouvait même jouer avec le renard Tails. Et dans cette version mobile, Tails est aussi disponible pour ajouter un peu de piment dans le jeu. Donc, gros coup de cœur en mode rétro gaming. En 5e position, c'est Sonic CD. Pour ceux qui ne connaissent pas Sonic CD, c'est toujours un jeu de plateforme qui était sorti sur Mega CD le 23 septembre 1993. Le jeu s'est vendu, écoutez bien, à 1,5 million d'exemplaires dans le monde. C'est aussi le tout premier jeu Sonic où on peut entendre parler Sonic de sa vive voix. Donc une petite voix de hérisson. En fait, pour que Sonic parle dans le jeu, il ne faut plus bouger pendant 3 minutes. Il va se mettre à parler, donc je vous laisse tester en direct sur votre mobile. Bref, un gros classique encore remasterisé pour le plus grand plaisir des gamers. En 4e, c'est le tout dernier jeu rétro de la liste, je vous rassure.
Tout le reste sur le podium, c'est que des créations récentes de Sega. Donc le jeu, c'est Sonic 4. Dans cet épisode, on peut incarner Metal Sonic dans l'épisode Metal. Et en plus, il est déverrouillé dès le départ dans le jeu. Il y a aussi le personnage de Super Sonic qui est jouable. Donc voilà, pour les puristes, c'est encore un des jeux qu'il vous faut si vous voulez jouer à Sonic sur mobile. En troisième, c'est un nouveau jeu, c'est Sonic aux Jeux Olympiques. Donc ça se passe aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc voilà, c'est un jeu de sport et de Jeux Olympiques en même temps, avec le saut de haie, l'épreuve de plongeon, la boxe et tout plein d'autres disciplines olympiques. Deux points négatifs à mes yeux, c'est qu'au début, le jeu est gratuit. Mais pour débloquer les autres épreuves, faut payer. Aïe. Et aussi, il n'est pas forcément compatible avec tous les mobiles. Moi, j'ai jamais réussi à faire fonctionner. J'ai toujours eu un écran blanc, malheureusement. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'il y a un classement multijoueur. Donc, si vous arrivez à y jouer, je vous conseille vraiment de télécharger parce que ça reste un très bon jeu au niveau de la vie du public. Faut le télécharger maintenant, car généralement, les jeux olympiques, ils sont supprimés au bout d'un moment sur le store. À mon avis, dans un an, il sera peut-être retiré sans raison. Donc, faites pas trop les fous. Moi, sur la chaîne Jeux Mobiles, j'ai déjà eu plein de commentaires sur des jeux qui ont été retirés sans raison particulière. C'était trop tard, les gens ils voulaient le télécharger, mais au bout d'un an, le jeu n'existait plus. Donc, Sonic aux Jeux Olympiques, essayez-le pour l'expérience, et au moins vous pourrez dire à vos enfants que vous y avez joué. En seconde position, c'est Sonic Force, un super jeu de course avec tous les personnages de Sonic. Perso, je trouve que c'est un gros kiff, il est rapide, il y a plein de niveaux. Il est multijoueur aussi, vraiment on retrouve toute la vitesse qu'on aime dans les personnages de Sonic. C'est quand même la base, hein. Quand tu joues à Sonic, c'est vraiment la vitesse. Et en plus on peut jouer online, donc vraiment j'ai hésité à le mettre en première position. J'y ai joué longtemps, il est vraiment bien, j'ai apprécié. Là pour le coup c'est vraiment rendant de très grand qualitatif. Et à la première place du podium, c'est Sonic Dash 2, aussi connu sous le nom de Sonic Boom. Je vous avais dit au début du top que le 1 avait cartonné avec des centaines de millions de téléchargements. Eh bien, Sonic Boom, lui aussi, a encore fait mieux. Il a carrément pété tous les scores. Il y a plus de 600 000 commentaires. Vous pouvez jouer avec Tails, Amic, Knuckles, Styx. On peut jouer en équipe, utiliser des coups classiques comme l'aimant à ring de Sony, le slap de Knuckles, le marteau à ring d'Ami. Bref, une réussite totale pour un jeu mobile totalement gratuit. Mettez dans les commentaires votre jeu Sonic préféré sur mobile. Et abonnez-vous à la chaîne.